Et après, ah oui, et après, organiser le Congrès national de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Je crois que ceux-là qui sont en train de parler de congrès ailleurs, ceux-là qui sont en train d'organiser un mouvement de soutien, ceux-là qui sont en train d'utiliser l'argent public pour se préparer à 18 prendre la tête de l'UFDG. Je crois que si besoin en était, cette Assemblée générale est une illustration éloquente de ce que l'avenir leur réserve par rapport à l'UFDG. Il y a un adage qui dit, si tu vois la peau de la panthère et tu dis que tu n'as pas vu la panthère, c'est que tu veux être griffé. Pour la vie, ça y est, pour les potes, il n'y a pas la peine de cas. Alors, à mon niveau, à mon tout petit niveau, avant que la voix la plus autorisée nous souhaite la cordiale bienvenue à notre radio nationale, à mon tout petit niveau, je ne peux pas commencer ma communication sans dire la radio Halimatu Dalen Diallo Kosadima de Kotolima de Kassou du FDG. Nous allons aborder la question de redynamisation des structures. Il y a un adage qui dit aussi, les branches n'ont qu'à se réjouir des bienfaits des racines. Wande Mayo, Charles Ivento a dit, si Dadini Yori, Charles Ivento, à juste titre, la mobilisation de ce samedi 9 mars 2024, cette mobilisation sera inscrite à jamais dans les annales de l'histoire de l'UFDG, mais également dans les annales de l'histoire politique en Guinée, mais dans les annales de la République de Guinée. Cette mobilisation, elle a été également possible grâce au dynamisme des structures du parti, grâce au dynamisme des responsables du parti, qui ont su mettre en œuvre les recommandations et les consignes de la direction nationale du parti, sous le leadership éclairé de l'inoxydable, l'inamovible, le président El Hadj Mamadou Sellou Dalen Diallo. Applaudissez pour lui et pour vous-même. Je veux parler de nos fédérations, je veux parler de nos sections, je veux parler de nos comités de base, parce que nous tous, nous le voyons tous les jours, sous le soleil ardent du mois de mars, en train de réorganiser, de remobiliser, de valider, d'organiser les congrès des comités de base et des sections, pour tenir enfin les congrès des fédérations. Et après, ah oui, et après, organiser le Congrès national de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Je crois que ceux-là qui sont en train de parler de congrès ailleurs, ceux-là qui sont en train d'organiser un mouvement de soutien, ceux-là qui sont en train d'utiliser l'argent public pour se préparer à 18 prendre la
prendre la tête de l'UFDG. Je crois que si besoin en était, cette Assemblée générale est une illustration éloquente de ce que l'avenir leur réserve par rapport à l'UFDG. Comme je le dis souvent, l'UFDG, ce n'est même plus qu'une simple formation politique. L'UFDG est une institution politique. Parce que je dis, s'il y avait des institutions de cotation et de certification à l'image des entreprises, l'UFDG allait être certifié et on aurait eu un écart important entre cette institution politique et ce qu'on appelle les formations politiques. Donc, c'est pour une fois encore féliciter et remercier au nom de la direction nationale du parti tous les secrétaires fédéraux, les secrétaires généraux, les présidents des comités de base et l'ensemble des mouvements de soutien du Grand Conakry qui ont démarré et qui sont en train, avec beaucoup de succès, de remettre sur place nos structures. Comme on dit, qui veut aller loin menace sa monture. Un parti solide, une institution politique solide suppose des comités de base solides, des sections solides. De l'autre côté, ce qu'on a envie de dire, nous avons lutté pendant toutes ces années. Nous qui avons commencé avec le président Seloutane, nous parlons de 16 ans et de 17 ans. Mais il y en a qui ont commencé avec le frère Doyen Bamamadou. Il y en a qui ont commencé avec d'autres leaders. Le Doyen Bamamadou, une année de 2008, nous avons légué le digne fils de la République de Guinée, hélas Mamadou Sello Dane Diallo, pour continuer le combat, pour sortir la Guinée de la misère, de la précarité. Ce que j'ai envie de dire, notre patrimoine politique, c'est l'UFDG. Notre institution politique, c'est l'UFDG. La résultante de tous nos combats, de toute notre lutte, de tous nos efforts, c'est l'UFDG. Personne, je dis bien personne, ne pourra nous ébranler. Personne ne saura nous détourner de ce chemin. Personne ne saura créer de la différence et de la zizanie entre les militants de l'UFDG et notre bien-aimé, hélas, Mamadou Sello Dane Diallo. Pour la Rio, Guido Marco et Baoma, à la UFDG, Roli Aradji Sello et Hadja Halimatu, et Kalamar Farado, Wanya la Guido Marco et Baoma, peut-être que dans mon Hadja, la maison est bien tenue. Tenue par des mains saines, par des mains solides, par des mains sincères et des mains loyales. Côté du Marmont. Applaudissez pour vous. Et dans les prochains jours, comme le fait le Grand Conakry déjà, les lettres circulaires ont été acheminées. Mike Adiza ne va pas me contredire. Les missions de l'intérieur du pays vont commencer par les fédérations de Gawal. Par les fédérations de Gawal, nous verrons Kakoni, nous verrons Funamori, nous verrons Kousite, nous verrons et redynamiser les structures de l'UFDG. Bumbuya ne me dira pas le contraire. Les circulaires sont déjà acheminés, le travail a commencé et les délégations de la direction nationale du parti viendront par un courage pour achever le travail. Et qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Quelqu'un l'a dit tout à l'heure. L'installation du président Sello Dane Diallo à la magistrature suprême de notre pays n'est qu'une question de quelques mois maintenant. Ce n'est qu'une question de quelques mois. Je vais paraphraser Goumaï qui a l'habitude d'écrire croire et tenir, c'est le domaine président, c'est pour bientôt. Croire et tenir, c'est le domaine président, c'est pour bientôt. Et donc, nous sommes en train d'entretenir nos structures politiques pour nous préparer aux prochaines échéances électorales, pour nous préparer pour le référendum constitutionnel, parce que nous avons la plus grande institution politique et donc nous allons décider de quelle constitution sera dotée.
nous allons élire nos chefs de quartier et présidents de district. Personne ne va les nommer. Après, nous allons élire nos maires de communes urbaines et rurales. Nous allons élire les conseillers régionaux consacrés par la Constitution de 2010. Nous allons élire les députés à l'Assemblée nationale. Et enfin, tranquillement, tranquillement, sereinement, mais efficacement, nous allons élire Elias Mamadou Sendou Kané Diallo, le prochain président de la République de Guinée.